Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur Confidentiel à John Joy. Je suis très heureuse d'être à nouveau parmi vous pour ce deuxième soir consécutif. 32-55, comme vous le savez, touche 2, si vous voulez une consultation avec moi, sentimentale, professionnelle. Hier, on a eu beaucoup de personnes qui voulaient vendre des maisons, le côté financier aussi. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, 32-55, touche 2, à John Joy. Et je vais prendre le premier appel. Oui, bonsoir, Madame Aslan Joy. Je suis très ravie de passer avec vous ce soir. Bonsoir, on se connaît déjà ? Non, mais j'ai de très bons échos vous concernant. Et c'est le médium Alexandre Lambert qui m'a c'est un parlé très, de vous. Très bon ami, effectivement. Alors, pour la petite nouvelle, il revient le 7 avril. Il était absent d'accord. un long moment et voilà, il m'a demandé d'accord. de diffuser et, ça. D'accord. Donc, il sera là à partir du 7 avril. Tout à fait. Et je... Il est comme vous, il connaît très, il est la région de Montpellier. Donc, et oui, effectivement. Vous êtes de Montpellier, vous aussi ? Non, mais j'ai mes parents qui sont du côté de Toulouse. Ah, d'accord, effectivement. Donc, ce n'est pas très, très loin. Effectivement. Et comme je le disais hier soir, si jamais vous venez dans la région, que ce soit pour voir Alexandre ou moi, oui. ou nous deux, parce qu'on fait souvent des duos, oui, d'ailleurs. Oui, vous faites des cours, je voilà. crois. Hein. Entre autres, des cours, effectivement, des thérapies, des choses comme ça. Mais entre autres, on fait des fois des duos aussi, tous les deux. Ah, sachez que chez Wengo, depuis un an et demi, mm-hmm. vous, nos consultants, hein, peuvent venir chez les voyants qui le souhaitent. D'accord, ah, d'accord. Donc, si vous êtes un jour sur Montpellier ou sur mm-hmm. Alès ou tout ça, voilà, lui est plutôt sur Alès, mais bon... Voilà, vous pouvez venir chez nous et nous rencontrer aussi sur place pour faire des consultations privées. C'est intéressant aussi. Mais merci pour cela. Non, mais c'est important de le savoir parce que ce n'est pas très diffusé. Et c'est vrai que des fois, c'est intéressant de venir sur place quand c'est on vrai. Peut le faire. C'est vrai, mais je vous en remercie. Je vous en remercie. Et vous êtes donc de quelle région ? Alors, je suis de la région Limousin, du département de la Haute-Vienne, de 87. D'accord. Alors, votre prénom ? Olivier. Olivier. Olivier, votre date de naissance, oui, s'il vous plaît. Bien sûr, je suis né le 12 octobre 1975. Donc vous êtes Balance, bien oui, sûr. Et je suis ascendant Scorpion, Balance ascendant Scorpion. Eh ben voilà, eh ben c'est super, c'est parfait. Et quelle est la question, Olivier ? Alors voilà, j'ai une question d'ordre professionnel. Si vous voulez, depuis 2010, j'entreprends des démarches pour pouvoir être muté justement sur Toulouse. D'accord. Et cette année, pour la cinquième tentative, j'ai refait un dossier, une demande, oui. pour pouvoir donc partir au 1er septembre sur Toulouse. Donc la question que je... Alors oui, donc dès cette année, si vous voulez, j'ai décidé d'élargir ma demande au département du Tarn également, c'est-à-dire Castres et Albi. D'accord. Et également au département des Hautes-Pyrénées, Tarbes, pour augmenter pour avoir les plus chances. De chances. De... Voilà. Vous êtes dans le... Vous êtes fonctionnaire, vous êtes... Oui, tout à fait. Je travaille dans l'éducation nationale. Ouais, c'est jamais facile. Hein. C'est vrai que non, c'est des fois facile. Très, très long. Et... Mais vous avez raison, en élargissant les départements, il y a peut-être plus de chances de trouver, tout à quitte tout à le faire fait. En deux fois. Tout à fait. Donc, vous voulez savoir si ça va marcher. Si cette fois-ci, ça va aboutir à un feu vert. Et si vous pouvez me dire, mais c'est très compliqué pour vous, évidemment, si vous pouvez me dire si ça sera sur Toulouse ou aux alentours, bien sûr. D'accord. Alors, on va se concentrer, Olivier, tous les deux, d'accord ? Oui. Et on va voir déjà si donc il y a une mutation déjà sur la région de Toulouse, n'est-ce d'accord. pas ? Hein ? Ça, ce serait la première question. Merci. D'accord. Non, mais il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est important d'avoir des... Enfin, on est là pour donner des réponses. Hein. Alors, bien sûr, on ne fait pas... Enfin, que ce soit Alexandre comme moi, on ne fait pas de complaisance, hein, ce qui n'est oui, pas toujours ce que j'apprécie chez vous. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Il y a des gens qui c'est veulent vrai. Plaire.
Mais nous, on estime que bon, on n'est pas à l'école. Hein, c'est... Non, mais je veux dire, voilà, avoir une bonne ou une mauvaise note, c'est pas le problème. C'est, je crois que l'authenticité, c'est plus important que d'avoir un rouge ou pas de rouge. Enfin bon, vous voyez, c'est des... Alors, donc, mais je ne les tire pas encore. donc voilà. Alors, donc moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement. Vous êtes quelqu'un, vous aimez beaucoup ce que vous faites, d'accord ? Oui, tout à fait, j'adore mon travail. Voilà, ça se voit. Vous êtes aussi dans une remise en question permanente, vous êtes quelqu'un qui cherchait... Vous enseignez ? Non, je suis plutôt dans les bureaux, vous voyez. D'accord, administratif. Dans... Enfin, vous êtes quand même dans une démarche de remise en question, de réflexion, de pensée, vous voyez, il y a une démarche un peu comme ça chez vous. Vous êtes très passionné, hein, de toute façon. Et c'est vrai que ça fait longtemps que vous attendez, bien sûr, et que vous commencez parfois, comme quand on attend une chose, hein, à des fois être un peu découragé. Oui. Donnez-moi trois numéros entre 1 et 26. Bien sûr, donc le 3... D'accord. Le 1. Oui. Et le 12. D'accord. Et 12. Alors, on va regarder par rapport donc à cette mutation, bien sûr. Donc, on voit que ça concerne l'argent, le denier, oui, le travail, l'argent qu'on gagne, etc. Que c'est, comme on l'a dit, quelque chose qui vous plaît aussi beaucoup. Et vous voyez, on voit que quand même... Il faut encore un peu de temps. Hein. Si c'est sur Toulouse, c'est pas gagné. C'est pas, je suis pas sûre que ce soit septembre spécialement. D'accord. Donnez-moi encore deux numéros. Ah oui. Le 8 et le 2. D'accord. Alors, on va regarder plutôt par ici. Et 2. Alors. Écoutez, de toute façon, vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous arriverez à aller sur Toulouse. J'en suis sûre, parce que vous voyez l'étoile ici, c'est vraiment être exaucée. Vous voyez, elle a un genou par terre, c'est comme si elle trouve le lieu où elle veut aller, la personne qu'elle veut, l'âme sœur, la maison de ses rêves, le lieu. Vous voyez, il y a trouvé un endroit, trouvé une passion, trouvé un chemin, trouvé... comment je vais dire, on est acquiescé dans ce qu'on veut. Donc, il y a encore un système de temps, mais vous allez arriver, vous serez sur Toulouse de toute façon. D'accord. Hein, donc, c'est vrai que si un jour vous appelez sur le 01 75 75 10 10, hein, dans les consultations privées, là, je pourrais vous donner des dates précises. Bien sûr. Parce que je fais de l'astro et que là, on peut donner des dates souvent au jour près, d'accord ? D'accord. Mais le tarot va dire oui, va dire non, va donner des tendances réelles, bien sûr. Bien là, sûr. On voit qu'il faut encore un petit peu de temps. D'accord. Et qu'est-ce qui vous attire sur Toulouse ? Qu'est-ce qui... Disons que c'est d'une part pour me rapprocher de mes parents qui sont sur Toulouse. C'est pour ça que là, on vous sent un peu seul pour l'instant, d'accord ? Oui, et d'autre part, c'est pour pouvoir aussi évoluer professionnellement parlant, quoi. En plus, ça vous permet d'évoluer, d'accord. Écoutez, moi, je suis sûre, avec l'étoile et avec... je suis sûre que ça va fonctionner. On se tient au courant. Merci, oui, Olivier. Ah oui, alors, vous allez me donner un numéro entre 1 et 22 et peut-être que vous allez gagner la consultation avec moi. D'accord. Alors, je regarde juste avant, je la prépare, j'en choisis une. Alors, j'en choisis une que je mets sous le paquet. Hein, et en fin de d'émission, hein, on la montrera et vous verrez si c'est celle-là. Alors, quel est le numéro ? Eh bien, je vais vous dire le 12. Et non. Eh bien, vous verrez, je la montrerai à 23h, à moins que quelqu'un la gagne avant. D'accord. Écoutez, Olivier, je vous souhaite une belle soirée. Parfaitement. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Vous êtes un homme très charmant. Et merci. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Et on se tient au courant. À d'accord très bientôt. Merci. À et visualisez bien l'arrivée à Toulouse. OK ? Je vous en prie. Au revoir. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 32, 55, touche 2, Atlan Joy, numéro 612 pour vous ce soir et demain soir. Pour nos amis belges, 0988 et 126. Et puis, tout de suite, je vais prendre un nouvel appel. Allô, allô ? Oui, bonsoir, Atlan, c'est Evelyne. Bonsoir, Evelyne, on se connaît déjà ? Non, jamais. Eh bien, enchantée, ravie. Enchantée. Dites-moi, Evelyne, vous appelez de quel département ? Du 31. Eh bien, la région de Toulouse, justement, on en parlait. Oui, c'est pour ça que je suis. Synchronicité, n'est-ce pas? Oui. Et je suis née le 21-09-83. D'accord. Vous êtes... Vierge.
Voilà, j'allais dire déjà balance ou fin vierge, mais chez vous, c'est encore... Les 21, c'est limite, hein. Donc, c'est dans la fin de la vierge. D'accord, donc organisé, stable, solide, un sens de l'organisation incroyable. Attention à la minimisation, à la dévalorisation, hein. Une remise en question, un mental qui surchauffe parfois, est-ce qu'on est d'accord? Oui, c'est ça. On est d'accord. Quelle est votre question, Evelyne? Mais c'est une question sentimentale. Bien sûr, important l'amour, n'est-ce pas? Oui, très. Très important. Quelle est la question? Voir ce que vous voyez de façon générale. D'accord, il y a quelqu'un qui compte en ce moment ou pas? Pas forcément. Non. D'accord, donc vous êtes seule depuis un petit moment? Oui. D'accord, ouais. Savoir donc si vous faites une rencontre intéressante. Et bien sûr, en tant que vierge, solide, durable, cherchez pas une rencontre pour une nuit, bien sûr. Vous voyez, celle-là est sortie toute seule, le pendu. Donc, on peut croire, on peut voir qu'en ce moment, c'est quand même, c'est comme si c'était assez bloqué. Est-ce que j'ai raison? Oui, ouais. D'accord. Alors, on va se concentrer et on va voir donc... Et il y a combien de temps que vous êtes seule? Je sais pas si on peut vraiment compter cette relation que je viens d'avoir. Elle s'est terminée quand? On s'est disputé il y a 3 semaines. Mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? On n'est pas vraiment ensemble en fait, on se connaît. Surtout, c'est une amitié surtout. Amitié amoureuse. Oui, voilà. Donc vous, de toute façon, c'est pas lui qui vous intéresse? Non. D'accord. D'accord. Bon, moi, en tout cas, s'il n'y a personne vraiment, hein, il y a quelqu'un qui vient. Si avec lui, soit ça évolue avec lui, parce que là, je commence, hein, j'en sais rien pour l'instant, je vois des choses, hein, on va dire, voilà. Oui. Mais de toute façon, je ne vous vois pas si seule que ça. L'étoile ici, hein, ce n'est pas du tout une carte de solitude. Mais c'est vrai que vous êtes une personne qui vous qui doutait toujours, qui cherche une certaine perfection, vous voyez, qui aborde pas la relation affective toujours très simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Hein? Oui. Vous avez tendance à mentaliser, à compliquer les choses, etc. Exactement. Mais moi, j'ai l'impression que quand même, cette relation n'est pas si mal que ça, hein. Elle correspond peut-être pas aux projections que vous avez de l'amour ou de la rencontre de la personne qui vous convient dans votre tête, voyez, oui. Dans ce que vous vous attendez. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelque chose. Je vous vois pas aussi seule que vous dites, même s'il y a cette petite dispute. Moi, je vois que c'est quand même quelqu'un avec qui il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais je dis pas que tout est simple, mais je dis quand même que c'est aussi votre amant. Vous voyez, il n'y a pas que de l'amitié, quoi. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, mais de toute façon, il n'est pas si mal que ça, vous avez raison. J'adore. Bon. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. D'accord. 17. Oui. 3. D'accord. Je vous fais travailler, et 1. Il n'y a pas de souci. 17, 3 et 1. D'accord. Oui. Et voilà. Alors, on va regarder tout ça. On a l'as de denier, on a un soleil et l'étoile. Écoutez, pour moi, il n'est pas si mal que ça, comme vous dites, ça c'est évident. Vous voyez, j'ai quand même une relation qui existe. En tout cas, quand vous êtes ensemble, il y a vraiment une... vous êtes nourris par l'énergie d'être ensemble. Ça, c'est évident. Et c'est quand même... Et lui, il vous trouve tout à fait à son goût quand même. Vous lui plaisez beaucoup, en tout cas. Et lui, il a l'impression d'être plus avec vous que le contraire, même s'il y a cette petite dispute actuelle. Ah, d'accord. Okay. Vous lui plaisez, pour lui, il est dans une relation. D'accord. Vous voyez, vraiment, quelque chose de concret. Donnez-moi encore 2 numéros entre 1 et 26 sur cette relation. D'accord. Donc, le 8. D'accord. Et le 4. Et le 4. Oui. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, écoutez, moi, je pense que c'est pas terminé. La relation, elle continue, en tout cas. D'accord. Ça, c'est sûr et certain. Ah. C'est pas terminé. Ou alors, réellement, s'il revenait pas, il y a quelqu'un d'autre très vite, mais ça, moi, j'ai l'impression que c'est lui, quoi. Mm-hmm. Je vous vois pas seule. D'accord. Alors, il est possible que dans votre thème, dans votre vie personnelle, vous ayez, là, sur un tarot, on ne voit pas comme dans un thème astrologique, par exemple, hein, mais il est possible que dans votre vie, depuis votre naissance, depuis même la conception, depuis longtemps, vous avez cette sensation d'être seule. Mais en ce moment, vous n'êtes pas seule. Ça, je tiens vraiment à vous le dire. Le tarot montre une relation. Oui.
D'accord. Et une relation assez chaleureuse. Donc, non, pour moi, il n'y a pas de souci. Il y a un retour et c'est vrai. Vous lui plaisez beaucoup, il vous apprécie beaucoup. Peut-être qu'il ne s'exprime pas. Il est quel signe? Il est né quand, lui? Il est né en mars, c'est un poisson. C'est un poisson. Et c'est sûr que poisson et balance, c'est les deux signes de zodiaque qui sont pas faits pour être seuls. Et Non, lui, c'est plusieurs. poisson, il est très fusionnel en même temps. Oui. Vous voyez, pour lui, il n'aime pas être seul. Enfin, il se sent dans cette relation. Elle a combien de temps, cette relation? On s'est rencontrés au mois de janvier et puis on discute beaucoup en fait. D'accord, Ouais. d'accord, d'accord. Écoutez, moi, je pense que c'est pas mal. C'est plus que pas mal, même. Il y a une belle histoire. Je pense qu'il faut des fois laisser le temps au temps. La Vierge, elle se méfie beaucoup. Oui, Un c'est pas ça en que je ressens. avant, trois en arrière. On doute, on analyse. Vous voyez, il y a tout ça. Mais je pense que c'est. Faut écouter votre cœur si vous sentez bien avec. Moi, je dis toujours que quand on passe des moments magnifiques, il y a automatiquement une suite. D'accord. Ben non, Ok. c'est sûr qu'on n'est pas béni. Oui, on ne peut pas accepter tout ce que l'autre veut. Et il y a des choses, on se dispute, machin, ça c'est tout à fait normal. Hein. Il y a des petits accrocs. Mais bon, moi, je vois une belle histoire, en tout cas. Pour moi, c'est sûr et certain, Evelyne. Ah, d'accord. Ça vaut le coup d'aller plus loin. Je suis Mais vraiment c'est lui qui contente. reviendra vers vous de toute façon. Ah, Pour d'accord. l'instant, vous le considérez plus effectivement comme une amitié amoureuse. Mais lui est plus amoureux que vous, même s'il ne le montre pas. D'accord. Mais dis donc, ça me fait du bien ce que vous me dites. Je viens Écoutez, tout de vous appeler. je vous envoie plein d'amour et plein de lumière. Ah oui, je vais vous demander aussi un numéro entre 1 et 22. Oui, d'accord. Le 18? Eh bien non, vous n'avez pas gagné cette fois-ci une consultation avec moi, mais de toute façon, voilà, je suis ravie de vous avoir rencontré. Vous me tenez au courant? Oui, mais je compte vous rappeler en Bon, privé, eh oui, parce bien, de que toute je suis façon, contente. ce soir, je serai exceptionnellement et demain soir entre 1h30 et 3h du matin D'accord. sur voilà, la ligne privée, bien sûr. Et autrement, vous me trouvez souvent, il n'y a aucun souci. D'accord? Je D'accord, vous très bien. embrasse très très Merci fort, beaucoup, moi beaucoup d'amour et aussi. de lumière et merci de votre confiance. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au revoir. 21h46, on va faire une courte pause. À tout de suite. 32,55. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. De retour parmi vous, 32,55, comme Evelyne, comme Olivier, touche 2, Atlan Joy pour vous ce soir jusqu'à 23h. Pour nos amis belges, 0900 88 126. Si vous avez une question sentimentale, professionnelle, hier on avait des gens qui voulaient vendre des maisons, financiers, etc. Je suis là pour vous jusqu'à 1h10 ce matin. À tout de suite. Je vais prendre un prochain appel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Atlane. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Oui, Nicole. Nicole, on se connaît déjà? Non, pas encore. Première fois. Eh bien, écoutez, enchantée, ravie. Ravie également. Est-ce que je peux avoir votre département? Le 11. D'accord, c'est l'Aude. C'est l'Aude, tout à fait. Tout à fait. Votre date de naissance? Le 15 mai 1952. Donc une taureau, vous connaissez votre ascendant? Cancer. D'accord, féminine, hein? Waouh, famille, tout ça c'est important pour vous, n'est-ce pas? Quelle est la question? J'aimerais connaître l'avenir, mon avenir sentimental, parce que j'ai actuellement quelqu'un qui essaye de revenir dans ma vie et je voudrais savoir si. Alors, son prénom, Marc. sa date de naissance. Le 18 janvier 1950. D'accord, un Capricorne du dernier jour peut-être, un hein, dernier avant-dernier jour, enfin fin du signe. Oui, D'accord, oui. son ascendant on connaît? Non. D'accord, ok, très bien.
Donc, taureau et capricorne, deux signes de terre, stable, solide. Vous cherchez tous les deux une relation stable, solide, durable, tout ça, il n'y a pas de souci, d'accord? Tous les deux, vous avez besoin de temps aussi pour construire. Oui. Vous étiez restés un certain temps ensemble avant? Oh oui, oui, on s'est déjà séparés plusieurs fois. Ah. Et puis là, il est vraiment... Il voudrait reprendre, mais je ne suis pas certaine, moi. D'accord. Le taureau est parfois rancunier, pas pour rien, mais rancunier. Oui. N'est-ce pas? Pas pour rien, hein? Non, pas pour rien, pas pour exactement. Rien. Je dis bien clairement, pas pour rien. Mais rancunier quand même, hein? C'est-à-dire qu'il vous faut souvent beaucoup de temps pour dépasser des problèmes. Oui. N'est-ce pas? Si vous savez, oui. Je ne sais pas si vous savez, Freud était taureau ascendant scorpion. Ah? Voilà, taureau. Hein? C'est-à-dire que voilà, c'est le signe de la psychanalyse, on a beaucoup d'artistes aussi. Vous savez, le taureau, il aime toucher des matières, que ce soit des tissus, de la peau, enfin toucher, les mots touchent, il y a psychanalyse, oui. Etc. Vous aimez cette sensation de toucher. Donc oui. Vous avez un côté entier, passionné, etc. etc. Et donc est-ce que donc entre Nicole et Marc, le futur affectif, c'est ça? Voilà, exactement. Concentrez-vous bien sur la question. On va demander à l'oracle de se manifester, hein, et de nous répondre. Oui. Alors, bah écoutez, de toute façon, lui vous aime beaucoup quand même. Hein. C'est vrai que j'ai la tempérance, l'amoureux. C'est quand même très chaleureux, hein, de son côté à lui. Amitié amoureuse, mais il est très, très attiré par vous. Il ne revient pas pour rien. C'est à celui qui revient toujours. Oui. Ouais. Ah oui. Oui. D'accord, c'est bien. Donc, vous voyez, c'est bien ce que je dis. Lui est très amoureux, très attiré, très... Après, il n'est pas facile. Capricorne, c'est aussi des gens très solitaires, très célibataires, très... Vous voyez, tout n'est pas simple. Non. Mais il est très attiré par vous, de toute façon. Vous, c'est vrai que s'il était parvenu, c'est pas vous qui seriez revenu, ça c'est évident. Ah non. Vous voyez, le mat, on n'a pas envie de ça, même si c'est un homme qui peut vous attirer beaucoup, hein, mais et en même temps, vous bloquez beaucoup, on a vraiment les deux. Docteur Jekyll et Mr. Hyde, parfois, n'est-ce pas? Ah, c'est exactement ça. Ah, exactement. C'est ça que je vois, effectivement. Mmh. Donnez-moi trois numéros entre 1 et 26 en pensant bien à vous deux, dans d'accord, le futur. D'accord, alors, le 7. D'accord. Le 12. D'accord. Et le 9. Très bien. Sept, douze et neuf, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Alors, on regarde. C'est vrai qu'il revient, mais sur certaines choses, il ne veut pas lâcher. C'est quand même un vieux solitaire, quoi qu'il en soit. Exactement. Vous voyez, il a envie de redémarrer cette histoire, mais c'est quand même quelqu'un qui est quand même personnel, solitaire, tourné quand même vers lui. Ah oui. Vous voyez, il y a un côté vieux garçon du Capricorne, etc. Oui, oui, tout à fait. Tandis que vous, vous êtes beaucoup plus, vous voyez, c'était un 8, on a la balance, la justice, pardon, enfin, c'est pareil, elle est en relation. On a quand même la relation, le couple, vous êtes une personne très à l'écoute, l'autre existe. Enfin, lui est beaucoup plus tourné vers lui, sa solitude, son petit confort, ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Il fait peu de concessions. Vous voyez, il y a un peu d'égoïsme oui. De son côté, quoi. Oui. C'est vrai quand même. Par contre, vous vous attirez, vous vous plaisez beaucoup. En fait, c'est peut-être pas une relation traditionnelle de vivre ensemble, mais c'est peut-être plus une relation avoir un ami, un compagnon de route, même si chacun est chez soi. D'accord. Passer des vacances, passer des week-ends, passer ci, passer là, mais peut-être pas s'installer ensemble si rapidement que ça. Ah oui, de toute façon, on a déjà essayé. Et c'est vrai, hein, que... On est bien d'accord. Moi, je vois plus une relation... de compagnons de route. On n'est pas seul, on a une épaule mutuelle, si vous voulez. Mmh. Mais lui, c'est comme, c'est trop dur. Enfin, c'est quelqu'un pour qui c'est très, très compliqué de vivre avec quelqu'un.
Ah oui, complètement. Bah voilà. Vous voyez, on ne se connaît pas quand même assez bien une première fois. Tout à fait. Non, je plaisante. Encore deux numéros et je vous laisse juste après. Alors, le 1. Oui. Et le 8. D'accord. Alors, pour finir, vous voyez, il passe il y a des chauds et des froids régulièrement. Des moments où il a envie, il est charmant, des moments où il est fermé comme tout, et pour vous, c'est insupportable. Voilà, exactement. Il a un côté très destructeur dans ce cas-là. Écoutez, vous savez que vous pouvez me joindre quand vous voulez, si vous voulez qu'on aille plus loin. D'accord ? Oui. Donc, il vaut mieux pas que je reprenne quelque si, chose de... Si, mais compagnon de route. Vous avez certainement, il y a certainement un lien, c'est pas pour rien que vous êtes ensemble depuis longtemps. Oui, exactement. Il faut peut-être revoir ses valeurs à la baisse. Enfin, c'est pas, vous voyez, mais peut-être pas attendre de ce que vous attendez, qu'il y ait une projection et voir la réalité, accepter ce qu'on peut partager. D'accord. Hein, plus dans la réalité, quelque part. Un numéro entre 1 et 22 pour la carte, si vous avez gagné une consultation avec moi. Le 10. Et non, c'est pas ça. Bon. Si vous êtes avec nous jusqu'à 23h, vous verrez, je la dévoilerai. Sans problème. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. À bientôt, plein d'amour et plein de bonheur, et merci de votre confiance. Merci pour vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, 3255, Atlan Joy, numéro 612. Pour vous, 0988 et 126 pour nos amis belges. Et puis, bien sûr, si vous voulez une consultation en privé, le 0175 75 10 10. Et là, vous arrivez sur notre site où il y a quand même beaucoup de professionnels. Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui connaissent Alexandre, Alexandre Lambert sera de retour à partir du 7 avril. Et moi, vous m'avez aussi couramment quand vous voulez. Ce soir, j'ai fait un petit extra aussi entre 1h30 du matin et 3h. Vous pouvez me joindre aussi sur ce numéro-là. Je vais prendre le prochain appel tout de suite, bien sûr. Allô ? Bonsoir Atlan, je m'appelle Roselyne. Bonsoir Roselyne, enchantée. Est-ce voilà, que je peux avoir votre... Je suis née le 25 septembre 1935. 25 septembre 35, vous avez... Et mon ascendant est le balance également. Eh bien c'est parfait, vous avez une voix de jeunette, dites donc, je ne sais pas comment vous faites. Bah, écoutez, je ne sais pas moi-même. Et votre département ? Le 59. D'accord, la région lilloise, hein, le Nord. Exactement, oui. Quelle est la question, Roselyne ? Eh bien, écoutez, voilà, je voudrais savoir si je ne vais pas terminer ma vie toute seule, parce que là, je suis veuve depuis 7 ans. Ah. Et puis, bon, bah, c'est un petit peu long quand même. Bien je sûr. Voudrais bien savoir si je ne vais pas terminer toute seule, quoi. Bien sûr. Eh bien, on va regarder ça. 7 ans, merci. C'est un carré de Saturne. Donc, normalement, après 7 ans, justement, on passe dans un nouveau cycle. Je ne sais pas si vous avez entendu dire que tous les 7 ans, le corps changeait. Oui. Et bien, 7 ans, c'est vraiment... Saturne, c'est une planète qui met 29 ans à faire le tour du zodiaque. Donc, tous les 7 ans et un quart, vous voyez, elle se déplace, en fait. D'accord. Donc, déjà, c'est un bon augure, on va dire. C'est 7 ans passés. Oui. 7 ans et quart, hein, voilà. Alors, on va regarder. 25-9, donc vous êtes une balance. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout programmé pour être seule. La balance, tant mieux. Dès qu'elle elle se rend compte, dès qu'elle est à 4 ans, 5 ans, 3 ans, j'en sais rien, dès qu'elle est toute petite, dès qu'elle se rend compte qu'il y a des autres, elle est consciente, elle veut leur plaire. Déjà, c'est une petite fille, quand elle est petite, très charmante, très séductrice, très mignonne. Vous voyez, l'autre a vraiment une importance colossale et vous avez toujours besoin d'avoir l'avis de l'autre, vous questionnez même du regard l'autre, est-ce que si, est-ce que là ? Est-ce que je te plais ? Est-ce que je suis belle ? Est-ce que... Vous voyez, il y a toujours ce regard à l'autre qui est extrêmement important pour vous dans la vie, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que depuis que votre compagnon est parti, c'est difficile. Hein, oui, heureusement, vous avez des amis. Quand même, hein. Pardon ? Je dis, j'ai été mariée 53 ans, alors vous savez, ça fait drôle. Hein. Bah, c'est normal, c'est très difficile. C'est vraiment une épreuve... C'est difficile, voilà. C'est notre vie, mais c'est difficile pour autant. Hein, on voit que pour vous, en plus, la solitude est très difficile, mais on voit depuis qu'il est parti, c'est dur. Heureusement que vous avez beaucoup d'amis autour de vous. Hein, énormément. Parce que vous êtes charmante, vous aimez les gens, etc., etc. Et c'est vrai qu'en ce moment, vous vous questionnez vraiment sur est-ce que je vais rencontrer une autre personne. Alors moi, ce n'est pas pour vous rassurer, c'est une vérité. Moi, je suis quand même thérapeute depuis plus de 33 ans, hein. Voyante, médium, bien sûr, mais j'ai aussi confiance, thérapeute. Vous m'inspirez confiance. Merci. J'ai souvent remarqué qu'il y a des gens qui ne savent pas vivre avec l'autre.
Il y a des gens qui n'ont jamais vécu des relations longues. Et il y a des gens qui, comme vous, 50 et quelques années, et plus qu'avec les parents, ont vécu avec un compagnon, un mari, etc. Donc, quand on vit, on a vécu longtemps avec quelqu'un, de toute façon, on retrouvera quelqu'un. On sait le faire, on sait mettre l'eau dans son vin nécessaire. Ah, oui. On sait, c'est son quotidien, on connaît ça. Oui. Donc, pour vous, ce n'est pas un souci. C'est vrai que c'est une rupture très, très, très forte et que ces 7 ans étaient nécessaires pour faire ce qu'on appelle le deuil affectif. Mais vous voyez, la force, le jugement, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais j'en suis certaine. Vous êtes certaine. Ah oui, oui. Et c'est pas, ça sera une belle histoire à nouveau. Et vous croyez qu'il y aurait construction ? Ah ben bien sûr. Vous revivrez avec quelqu'un. Vous savez, il n'y a pas d'âge. Oh ben non, disons que je pars encore assez jeune, j'ai cette chance-là. Déjà, et puis il y a, je vous dis, une attention à l'autre, il y a plein de choses. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. 3 numéros, alors 4, 6, 12. D'accord. C'est parfait, on regarde. Oui. Alors, il y a l'empereur, la lune... Et l'impératrice, donnez-moi encore 2 numéros. Alors, le 17. Oui. Et le 14. Voilà, c'est parfait. Alors, regardons. Oui, vous voyez, j'ai le soleil. C'est vrai que pour l'instant, vous êtes vraiment en train de cogiter. Vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne veux pas vous parler maladie, mais enfin, je suis bloquée depuis 10 mois dans le lit et là, je suis en récupération. Donc qu'est-ce que vous avez Comment ? Qu'est-ce que vous avez eu ? J'ai eu le plateau tibial gauche cassé. Ah ouais. Et alors, avec l'arthrose et tout, ça joue. Difficulté d'avancer, n'est-ce pas ? Voilà, exactement. Hein, ça fait partie de la chose. Écoutez, moi, je vois le soleil. Au soleil, il y a 2 personnes, il y a une relation en plein jour où les 2 sont nourris. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance l'un pour l'autre. Vous voyez, quelqu'un qui va prendre soin, comme on dit, take care, vous ne serez pas toute seule. Mais et là, il y a vraiment... Vous croyez qu'il sera de mon âge ? Pardon ? Vous croyez qu'il sera de mon âge ? Il y a des grandes chances. Bah, ça peut être 5 ans de moins, hein, je veux dire, 5 ans de plus, je veux dire, c'est pas souci, mais c'est pas... Oui. Je vous vois pas en cougar. Hein? Écoutez, justement, ma dernière relation, il y avait 20 ans. Bon, écoutez, c'est difficile à dire. Donnez-moi un dernier numéro. Alors, le 15. En tout cas, ce qu'on voit... C'est, vous voyez, quand j'ai dit peut-être autour de l'âge, en tout cas, c'est une connivence, c'est la même façon de voir les choses, c'est de la bienveillance, vous voyez. Et derrière, il y a vraiment même une espèce d'amitié amoureuse. En tout cas, c'est un cadeau, c'est une relation qui est envoyée par les anges, parce que dans la tempérance, on a l'ange, vous voyez. Donc, c'est une très belle... Je n'ai pas trop d'informations sur l'âge, mais j'ai une belle histoire. Même si aujourd'hui, vous n'y croyez pas trop, vous êtes un peu déçus. Mais il y a vraiment une très belle histoire qui vous attend très vite. Très vite, en plus. Oui, enfin, dans l'année 14. Oui. Vous voyez, j'ai le 14. Avec mon âge, quand même. Vous voyez, j'ai le 14. Voilà. Non, c'est vraiment dans l'année 14. Il n'y a pas de souci. Ah oh, bien, écoutez. Écoutez, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Merci de votre confiance. Vous allez me donner un numéro entre 1 et 26. Et 22, pardon. On va faire le jeu de la carte pour voir si vous avez gagné une consulte. Alors, le 7. Alors, je crois que vous avez raison. Et oui. C'est vrai. Vous l'avez gagné. Oh, écoute, c'est formidable. Bam, 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 bam. Voilà, le gros lot. Alors, vous restez en ligne, surtout, vous ne raccrochez pas, on va prendre vos coordonnées. Et pour nous, et pour les autres, on va faire une courte pause. 3255, code 2, touche 2, si vous voulez me retrouver juste après la pause. À tout de suite. Et vous, ne... Un projet, une évolution professionnelle, consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute.
Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, de retour parmi vous, sachez une chose, c'est que quand vous gagnez une consultation comme l'a fait Roselyne, sachez que vous êtes rappelé dans les 15 jours. Et si jamais le secrétariat appelle à un moment où vous n'êtes pas là, il ne laisse pas de message, hein, par confidentialité, même si on est sur confidentiel. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous serez toujours rappelé. Voilà, alors, donc, on va continuer. Donc, je suis là avec vous donc, jusqu'à 23h ce soir, jusqu'à 1h10, mais jusqu'à 23h sur cette émission. Donc, n'oubliez pas 01 75 75 10 10 si vous voulez une consultation privée avec des gens de notre équipe, 32 55 touche 2 si vous voulez consulter avec moi ce soir dans cette émission, et puis 0 900 88 126 pour nos amis belges. Et bien, je vais prendre le prochain appel. Allô, allô. Allô, allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Je m'appelle Salia. Salia. S, oui. A-L-I-A-S comme Suzanne, n'est-ce pas? Oui, S-A-L-I-H-A. L-I-H-A. D'accord. Vous appelez de quel département, Salia? 30. D'accord. C'est la région de Nîmes? Le Gard. Ah, c'est le Gard? Oui. Ouais, c'est ça. Oui. D'accord. Mais je ne suis pas loin. Hein. Sachez que si un jour vous voulez venir consulter sur place, moi je suis sur Montpellier, par Wengo, vous pouvez le faire. D'accord? Ok. Vous avez le droit de venir sur place nous voir également. Quelle est votre date de naissance? Le 4/07/1955. Ah, c'est marrant, moi j'ai un fils du 4 juillet, le jour de l'Indépendance Day, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, vous connaissez votre ascendant? Balance. Ah, tiens, comme mon gamin, vous êtes né vers midi, 1h, c'est ça? Hein? 1h. Oui, voilà, entre midi et 1h, on est ascendant Balance, ouais, c'est oui, comme lui. Exactement. C'est marrant, amusant. D'accord, donc vous êtes très, très artiste, très doux, très sensible, très imaginative. Très maman, un cœur d'or et en même temps pas faite pour être seule, ça c'est évident. Quelle est c'est votre question, Salia? Sentimentale. Sentimentale, c'est-à-dire, vous êtes seule, vous êtes en couple? Je suis avec quelqu'un. Mais alors, son prénom? C'est Jean-Paul. Et sa date de naissance? Le 11-12-65. Ah tiens, Sagittaire comme moi. Donc, Cancer et Sagittaire, moi, je le vis pas mal. Hein. C'est pas un homme dans ma vie, c'est mon fils, mais, mais c'est quand même Cancer et Sagittaire. Et on connaît son ascendant? Je ne sais pas, je ne connais pas. Dommage. Non. Ok, très bien. Donc, la question, c'est quoi? Quelle est votre question? Parce qu'on est resté presque 7 ans, mais là, ça fait presque 2 mois qu'on est séparés, parce que... Puis le va et vient. Il y a beaucoup de ruptures quand même, c'est ça? Oui. Mm. Il y a beaucoup de retrouvailles. Donc la question, c'est quoi? C'est ce qu'il y a vraiment un retour? Est-ce qu'il va revenir ou est-ce que je veux rencontrer quelqu'un d'autre? D'accord. Voilà. C'est lui qui revient toujours? Pardon? C'est lui qui revient toujours? C'est lui toujours. Ah. Ouais, c'est peut-être bien un jour de changer, non, la donne? Pourquoi vous ne l'appelleriez pas vous? Hein? Non. Non, d'accord. Mm. Ok. Oh, ça, il va revenir, hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Ah ouais? Il est toujours revenu. Hein. Là, il doute un peu, il prend un peu de temps, il n'est pas content, il se pose des questions. Comme vous, est-ce que s'il revient, ça va donner quelque chose? Mais voyez, il vous aime beaucoup. Hein. L'amoureux, il y a quelque chose de fort aussi pour lui par rapport à vous. Hein? Eh oui, mais... Ça ne suffit pas toujours. Hein. Mmh. Écoutez, ça va reprendre, ça j'en suis certaine. Hein. La relation, elle repart. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr et certain. On va regarder. Alors, écoutez, même s'il y a une rupture en ce moment, vous êtes sa dame de cœur. Mm-hmm. Vous êtes sa dame de cœur. Voyez, il a beaucoup de bonheur avec vous, même intimement. C'est une relation très forte intimement. Ouais, je ne vous connais pas, c'est une première fois, hein, mais c'est ce que je vois. Hein. Moi, je vois que c'est quand même une belle histoire. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est simple. Hein, personne n'a dit ça. Hein, mais je pense que cette histoire n'est pas terminée. Donnez-moi 3 numéros entre 1 et 26. Alors, le 4. D'accord. Le 11. D'accord. Et le 17. 11, 12, 13.
13, 14, 15, 16 et 17. Alors, voyons voir. As de bâton. Vous savez, vous avez quand même beaucoup plus de sentiments qu'il n'y paraît, vous aussi, hein? Oui. Et lui, vous aime beaucoup. Non, il y a un redémarrage de toute façon. Encore deux numéros. Entre 1 et 26. Le 5. D'accord. Et le 18. Très bien. Écoutez, pour moi, hein, cet homme, et il ne veut pas vous lâcher, même s'il y a des périodes, hein, il y a un lien très très fort entre vous, et vous avez déjà vécu ensemble ? Non. Jamais ? D'accord. Et c'est ça qui ne va pas pour vous ? Eh oui. Lui, en fait, les hommes sagittaires, je rigole mais c'est vrai, sont des machos, qui revendiquent beaucoup leur indépendance. Et vous, cancer, balance, vous n'êtes pas faite pour vivre seule. Non. Mais pour lui, c'est comme s'il est... Pour lui, il est avec vous, quoi. Eh oui, ça, mais... C'est évident pour lui, même si vous ne vivez pas. Et pourquoi vous ne vivez pas ensemble ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Parce qu'elle était mariée, ça fait un an qu'il est divorcé, mais il reste toujours à côté de sa femme. Oui, mais bon... C'est ça que je ne supporte pas. Il faut lui laisser un petit peu de temps. Et jusqu'à quand? Ça fait 7 ans. Il a j'ai quand même, pas, il a, j'ai il, pas 18 ans. Non, je comprends, mais il a quand même divorcé. Oui, c'est ça qui m'a... On va dire avant en que chemin. Pas divorcé, il est on the way, il est en train de le faire. Vous voyez mais... Il est en train de le faire. Écoutez, on peut se retrouver quand vous voulez, hors antenne. Hein. Mais là, réellement, c'est loin d'être fini. Il tient à vous. Vous êtes impétueuse. Il faut laisser le temps au temps. C'est un très beau jeu. Il y a une belle histoire derrière. Ah. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Vous me tenez au courant quand vous voulez. Et merci, merci, c'est gentil. À bientôt. Allez, bientôt. Beaucoup, merci beaucoup. Beaucoup au de revoir. Confiance. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Au revoir. Comme Salia, 3255, touche 2 pour me trouver ce soir. Je suis là pour vous donner des réponses, que ce soit au niveau du sentimental, de l'affectif. Hier, on a eu aussi des gens qui voulaient vendre des maisons, du financier. En tout cas, je suis là pour vous ce soir et demain soir, Atlan 612, Atlan Joy. Et puis, pour nos amis belges, 0900 88 et 126. Je prends un nouvel appelant. Allô ? Oui, bonjour. C'est Nadine. Bonjour Nadine. Je suis née le 1er juillet 67. D'accord. Et le département ? 89. 89, la région d'Auxerre, n'est-ce pas ? Oui. Et c'est pour savoir si je vais avoir une histoire avec Bruno, qui est né au mois d'octobre 60. D'accord. On sait sa date ? 19, je crois. D'accord. Donc c'est une balance ? Oui. Cancer et balance. Non, je dis ça parce qu'en octobre, on a des scorpions aussi. Vous voyez, c'est pour avoir un petit peu le profil de la personne. D'accord ? D'accord. Donc, vous connaissez, mais vous n'avez pas commencé de relation encore ? Non, c'était du charme, mais c'est tout. Séduction. Waouh ! Balance. Oui, voilà. D'accord. Très, très bien. Alors, on se concentre entre Nadine et Bruno. Nadine. Bon, il y a un éloignement géographique aussi, hein, dû au professionnel. D'accord. C'est-à-dire combien de kilomètres ? Combien d'heures ? Presque 2 heures. D'accord. 200 kilomètres à peu près. D'accord. Eh bien, on va regarder. Ah, c'est fort quand même. Hein. Il y a plus que de la séduction. Hein. C'est fort. Oui. Il y a un beau rayonnement, on va dire. Je dirais un coup de foudre. Voilà. Bon, attention aux mots. Là, moi, je suis aussi thérapeute tout en étant médium et astrologue, etc. Attention aux mots. Parce qu'un coup de foudre, c'est une névrose dans notre jargon. D'accord ? Ah oui. Non. Donc, on ne va pas rentrer dans la névrose. Non, c'est mais c'est pas utile. Chose de très beau. On peut s'en passer. D'accord ? Y a quelque chose de très rayonnant, de très fort, de très beau. Il y a quelque chose qui interpelle. D'accord ? Oui. Et il y a en même temps des peurs. Comme tant qu'on n'a pas démarré une histoire, ça peut arriver, hein, voilà, peur que ça ne marche pas, peur que ci, peur que là. Mais il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe, de très, très beau. Vous vous attirez, vous vous plaisez beaucoup. C'est en train d'eux, vous voyez ?
Il y a vraiment une belle énergie déjà autour. Ça va aboutir ? Alors, pensez justement à votre question et donnez-moi trois numéros entre 1 et 26. Alors, le 1, d'accord. Le 8 oui. Et le 10. Alors, 8, 9, 10. Est-ce que ça va aboutir ? Nadine, Bruno, moi, je vois un départ de relation. On retrouve cet as de bâton. Waouh ! Écoutez, le chariot et l'étoile, hein, c'est l'amant et l'amante. C'est vraiment le couple avec l'as de bâton. Ça va être fort. Je ne vous dis pas la fête. Une super... vous allez vivre une très, très belle... Mais vous devez le sentir tous les deux déjà. Oui. Il y a un rayonnement, je vous dis, depuis le début. Ici, mais il est loin, il ne se lance pas, il ne m'appelle pas, il ne m'envoie pas de mail, rien. Ça va se faire, c'est sûr et certain. Donnez-moi encore deux numéros entre 1 et 26. Alors, le 19 oui. Et le 14. D'accord. Alors... Le problème, c'est qu'il est marié aussi. Hein. Ouais, mais bon. C'est ça qui bloque. Mais de toute façon, là, c'est tellement fort, c'est peut-être presque ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, une relation karmique. C'est-à-dire la sensation d'avoir déjà des heures ensemble de vol, de se connaître, d'avoir déjà comme une intimité, parce qu'on ne se connaît pas réellement, d'ailleurs. Ouais, voilà ce que je veux dire. Comme si on s'est peut-être rencontré dans une autre vie, comme si, vous voyez, on a déjà des heures de vol ensemble. Donc, de toute façon, ça va se faire. Il bloque parce qu'il n'est pas libre, parce que si, parce que là. Mais de toute façon, c'est évident. D'accord. C'est trop fort pour qu'il ne se passe rien. D'accord. Et ça va démarrer à quel moment, alors ? Toujours difficile en tarot de donner des dates. Hein. Pour moi, c'est dans pas très longtemps. Sincèrement, c'est, on va dire, dans les 2-3 mois qui viennent, mais ça peut être avant. Hein. D'accord. Mais laissez-le venir, ne lui courez pas derrière, disparaissez, laissez-le se positionner. Vous êtes libre, oui. Il ne l'est pas, vous voyez ? D'accord, non. Hein ? Je risque de le rencontrer peut-être par hasard, mais c'est tout, quoi. Ah oui, bah, on va laisser... Le hasard dans les mains des anges. D'accord ? D'accord. Bon, bah écoutez, je vous dirai si ça avec fonctionne. Avec grand plaisir. Alors. Tenez-moi au courant, je serai très contente. D'accord ? D'accord. Et bien, je vous souhaite une excellente soirée. Et bien, moi aussi, merci de votre confiance. Et quand vous voulez. Hein ? À bientôt. D'accord. Entendu. Merci soirée. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Atlantic Joy, 3255, touche 2. Vous vous retrouvez ce soir et demain soir pour une soirée spéciale trilogie, médiumnité, tarot et astrologie. Et puis, ben pour nos amis belges, 0900 88 126. Allô, allô. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, Frédéric. Frédéric, écoutez, enchanté. Atlan, est-ce que vous pouvez me donner votre département, Frédéric ? Alors, c'est le 73. D'accord. Votre date de naissance ? Le 9 octobre 1973. Soirée balance. D'accord. Ouais, ouais. Et quelle est votre question ? Bah, je voulais voir l'avenir sentimental. Bien sûr, parce qu'il va me demander une balance, si ce n'est l'amour. Voilà. Alors, vous êtes seul en ce moment, il y a quelqu'un ? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne, depuis longtemps ? D'une petite relation, mais d'une longue, un an. D'accord. Alors, est-ce que vous allez rencontrer la personne qui vous convient ? Tiens, regardez l'étoile. Elle va venir, vous allez la rencontrer vite. Ouais. Alors, est-ce qu'on va faire une rencontre pour vous, Frédéric ? Concentrez-vous bien sur cette question. Frédéric, est-ce que vous allez vers une rencontre ? Ouh. Écoutez, moi, je vois une super rencontre. Ouais. Je vais vous montrer ce qui est tombé tout seul. Vous voyez, on a... l'étoile et le chariot, comme tout à l'heure, le couple amant-amante, vous voyez. La tempérance, c'est un ange qui va mettre cette rencontre sur le chemin. Et l'empereur et l'as de denier, il va y avoir une belle histoire. Hein. Alors, d'accord. On va le vérifier, mais c'est venu comme ça. Hein. On n'a même pas eu le temps de les tirer. Ouais. C'est une évidence, on va dire. Alors, concentrez-vous bien sur la question et on va regarder. Vous voyez, il y a le démarrage d'une relation intime. Alors, c'est sûr que la relation antérieure, hein, il vous a fallu un certain temps pour faire le deuil affectif. Cette année,
a été aussi pour faire le deuil affectif de l'ancienne relation. Ouais, ouais, bon, plus ou moins. Pour... C'était plus par rapport à une relation qui était un peu plus lointaine. Qu'importe. Ouais. En tout cas, voilà, je ne sais pas, mais il y avait besoin de ce break. Hein? En tout cas, je vois qu'il y avait besoin d'un certain temps, presque de 13 mois, pour faire un deuil affectif. D'accord ? D'accord, ouais. C'est ça qu'on voit. Hein? Donc, une fois que voilà, c'est en train de s'en aller, vous rencontrez rapidement quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. Alors, donnez-moi trois numéros entre 1 et 26. Alors, le 3, oui. Le 6, 12. D'accord. Et Le 17. D'accord. Alors, voyons voir. Dur en ce moment, hein. Mais l'amour revient, ça c'est évident, hein. J'ai l'as de bâton, l'amour revient dans votre vie, c'est évident. L'année a été très très dure. Il y a 12 à 13 mois là qui ont été bloqués, où vous n'avez pas vécu ce que... Ben, vous étiez quand même plus seul que pas, quoi. Plus mal accompagné que pas, enfin, qu'accompagné, voyez. Encore deux numéros. Ben, le 4, le 7. D'accord. Frédéric, waouh, vous voyez, non, vous allez rencontrer une relation qui va durer. Hein. Le soleil et la justice, c'est évident, il y a un couple, avec l'as de bâton. Très belle histoire. Mais dans combien de temps? Moi, je vais dire dans l'année 14. Vous savez, en tarot, je le rabâche souvent, mais je ne suis pas la seule, hein. C'est difficile de donner des dates. Par contre, si un jour vous faites de l'astrologie, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. L'astro, on peut dater presque au jour près. C'est la plus vieille horloge au monde, on va dire. Ouais. Tarot, on voit que c'est dans pas longtemps. D'accord ? C'est dans l'année 14, ça peut être dans l'été. Là, je dois vous laisser. J'ai la régie qui hurle derrière. Enfin, j'exagère, mais... En tout cas, vous me tenez au courant, Frédéric, mais ça vient. Imaginez-le, projetez, visualisez, co-créez avec l'univers cette histoire, elle arrive. D'accord, ok. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière, je vous remercie de votre confiance et on se tient au courant. Ok, pas de souci. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt, au revoir. Merci, bonne soirée. 22h21, on fait une courte pause. 32h55, touche 2, on se rejoint juste après la pause. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Et nous voilà de retour ensemble pour un moment de bonheur. 32-55 touche 2, nos amis belges 0-988-126. Et puis pour ceux qui veulent une consultation privée ce soir ou à un autre moment, vous pouvez me trouver d'ailleurs sur ce service, 0-1-75-75-10-10. Voilà, Atlan Joy, numéro 612 pour vous jusqu'à demain soir. Alors, je vais prendre le prochain consultant. Allô? Bonsoir, Atlan. C'est le cœur qui bat à mille. C'est Rose? Exactement, c'est Rose. C'est marrant, ça fait 2 jours que je pense à vous. Depuis hier, d'ailleurs. Non, et j'ai failli vous dire bonsoir hier. D'ailleurs, c'est marrant, je regardais dans le train une émission avec Alexandre que vous aviez appelé un soir pour parler de votre fille. Exactement. Et j'étais avec vous hier, et hier soir dans l'émission, j'ai failli vous saluer. C'est drôle. Vous êtes des merveilles, ça c'est sûr. Mais hier, je n'étais pas là. Alors aujourd'hui, c'était la grande surprise de vous voir, et je suis très contente. Je suis un petit brésilienne, vous vous souvenez très bien de moi. C'est sûr, bien sûr. Voilà. Tudo bem. Oh là là. Et saudade. Je ne sais même plus quoi demander. Et saudade. Hein? La nostalgie brésilienne, n'est-ce pas?
Tout à fait. Je suis allée au mois de janvier. Je suis ravie de mon voyage. Ah. Voilà. Le côté spirituel m'a dit que je dois rester sous mes racines et mes bases. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est voilà, sûr. Voilà. C'est sûr. Vous avez rencontré les gens... J'ai pris contact, bon. Oui, mais je n'ai pas donné tout à fait suite pour d'autres raisons. Voilà. Un jour, on en parlera. Mais en tout cas, vous avez pris contact. Je vais vous appeler après en privé. Hein. Et c'est le principal. Rosa, vous m'appelez de la ceinture parisienne, si je me souviens. Oui, c'est le 78, tout à fait. C'est parfait. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 05-09-65. D'accord. Et ce soir, c'est pour vous, c'est pour la fille. Ça s'est calmé avec votre fille? Oui, tout à fait. Alors, je pense que je vais transformer la question que je voulais poser pour moi. Je vais poser pour ma fille encore. En fait, elle est partie au Mexique pour le travail, bien sûr. Enfin, elle vient de finir une formation de tourisme. Ah. Et voilà, elle est partie. Pour Scorpion, hein, si je me souviens. Tout à fait. Voilà, d'accord. C'est fini. Elle est, voilà, elle a sa son formation. Prénom. Pardon. Son prénom. Carolina. Carolina, et sa date de naissance? Alors, c'est le 24 de 10, 90. 90? Oui, un scorpion, oui. Un scorpion. 1980, oui, 90, oui. D'accord. Et elle est donc au Mexique en ce moment pour sa formation de tourisme, n'est-ce pas? Oui, voilà. Elle a fini sa formation, c'est comme plus ou moins un stage. Hein, d'accord. Pour bien pratiquer l'espagnol. Et... seulement que là, ils ont proposé qu'elle reste, une proposition qu'elle reste là-bas. Elle va revenir en France le mois prochain, le 12 avril, mais elle compte repartir pour un an. Et moi, personnellement, peut-être c'est mon cœur de maman, je ne vois pas ça tellement bien. Elle a déjà un copain là-bas. Bon, apparemment, la belle famille de ces garçons, comme ils appellent là-bas, c'est un santero. Vous voyez, un santero. C'est quoi un santero? Au niveau spirituel, des choses comme ça. Qui... je ne vois ça pas très bien. Alors, je voudrais savoir de là. D'accord. En tout cas, cette année, le scorpion, hein, les signes scorpions depuis fin 2012, d'accord? Mm-hmm. Alors, selon sa date de naissance, après, enfin, le degré, on va dire, hein, etc. Mais elle, ça a dû commencer fin 2012, parce que 24, c'est la limite, hein, d'accord? En tout cas, voilà, depuis... en tout cas, Saturne, et puis elle n'a pas que le soleil, peut-être en scorpion. Hein. Saturne, en tout cas, est en scorpion jusqu'à fin 14, d'accord? D'accord. Donc, pour les gens qui ont des planètes en scorpion, Saturne, ça leur rouvre... c'est une, comment je veux dire, c'est un engagement. Enfin, vous voyez, c'est une période d'engagement, qu'elle soit professionnelle, affective ou ailleurs. C'est quelque chose qui leur propose une maturation, un engagement, des responsabilités. Vous voyez, une structuration. D'accord. Donc, moi, je comprends le cœur de la maman, mais si elle peut passer un an là-bas, si elle a déjà un petit copain là-bas, c'est pas pour dire qu'elle va se marier cette année. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est... ben non, bien sûr. Je pense que c'est plus dans la connotation de ce Saturne qui lui demande de s'engager, enfin, de s'investir, de grandir, vous voyez. Tout à fait. Donc, après une formation, passer un an là-bas, moi, je le sens plutôt bien. Vous voyez, on a l'étranger, là, le monde, la force. Je pense qu'elle est morte de trouille, elle aussi, hein. Oui, apparemment, bon. Oui, c'est sûr. Elle n'est pas assise sur d'elle et ce n'est pas facile pour elle non plus, mais ça fait partie de grandir. Trois numéros entre 1 et 26 pour Carolina par rapport à cette possibilité de rester un an au Mexique. Tout à fait. Alors, le 5... Surtout que c'est, il paraît que c'est... moi, je ne connais pas le Mexique. J'ai bien l'Amérique latine, mais je ne connais pas le Mexique. Mais il paraît que Mexico est très sympa quand même. Le Mexique, parfois... Les informations que j'ai, même les amis, comme par là, c'est dangereux, tout ça, bon. Hein. Et elle m'a dit que ce n'est pas du tout comme les gens parlent. Ouais. Elle est dans le sud du Mexique, à côté de Cancun. Ah ouais. Et selon elle, ça se passe très bien. Bon, déjà, l'endroit, apparemment, c'est paradisiaque. C'est un peu paradisiaque, hein. Oui, bien sûr. Cancun, c'est magnifique. C'est très joli, ouais, c'est bon. Elle est dans un cadre vraiment... Eh, on ne va pas pleurer. Très bien. Hein? Alors, bien sûr que ce n'est pas la France, hein, ce n'est pas... Selon elle, même au Brésil, parce qu'elle a déjà été aussi récemment, enfin, il y a quelques temps au Brésil, elle m'a dit, maman, au Brésil, il y a beaucoup plus de dangers qu'ici. Bon. Alors, on va faire une petite parenthèse, Rosa. Deux numéros. Deux numéros, c'est pas moi, mais c'est qu'on est du temps précis ici. Je sais très bien. Alors, le 5, le 8. D'accord. Et le 14. D'accord.
Non, non, mais donc on va voir. En tout cas, elle est déjà dans un endroit magique. Elle, c'est touriste, hein, Scorpion, elle doit avoir du Sagittaire à côté. Écoutez, non, moi je pense qu'il faut qu'elle y aille là-bas. Mais le soleil, le mat qui est le voyage et le jugement, de toute façon, elle a une très, très envie d'y aller. Et puis, je vais vous dire, si elle a déjà un petit copain là-bas, elle va y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donnez-lui votre bénédiction. D'accord, le soleil, oui, le jugement, oui. Je comprends très bien ce que je vois là. Voilà, Anne. Soleil, mat, non, je sais. Voilà, et jugement. Hein, il y a vraiment un désir irrésistible qu'elle y aille. Tout va sur ça, c'est paradisiaque. Pour un curriculum d'un an au Mexique dans le tourisme, ça le fait. Oui, on va dire oui. D'accord. Et puis on se retrouve quand il faut toutes les deux, d'accord? Je vous fais confiance, confiance à l'univers. Vraiment, hein? Mais à l'occasion, avant de partir, vous me l'appelez, on regardera son thème. Mais déjà, le tarot est complètement oui. D'accord. D'accord. Là, d'accord. C'est mon sac à couronne qui travaille. Hein. je vous embrasse très très, 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 très fort. Et c'est très drôle. Je vous dis, depuis hier soir, j'étais avec vous. Puis hier, je veux dire, donc c'est amusant. Mais j'avais envie de vous saluer aujourd'hui. Oui, ça s'est fait naturellement. Je vous d'accord, embrasse très, fait. Très fort, plein d'amour et de lumière. Merci, hein, on va merci. Dire de la luz en el corazón. Merci beaucoup. Et un gros bisou aussi, Alexandre. Hein. Génial. Il revient à partir du 7 avril, lui, de toute merci façon. Merci, mon chouchou. À bientôt. Aussi, merci beaucoup. Bon, nous, c'est vrai que bon, mon soleil, mon étoile. Exactement. À bientôt, Rosa. À bientôt, et plein d'amour. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Comme Rosa, comme tous nos autres auditeurs, téléspectateurs, 32-55 tous deux, Atlane ce soir et demain avec vous, avec joie, avec bonheur. 0988-126 pour nos amis belges. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne les entend pas beaucoup, nos belges. Téléphonez-nous, n'ayez pas peur, on est là aussi pour vous. Et je vais prendre donc le prochain appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, eh bien écoutez, enchantée. Votre prénom, okay. S'il vous plaît? Je m'appelle Mona. Mona. Oui. Et votre département, Mona? Nice. Le 06, d'accord. Les Alpes-Maritimes, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? 16 décembre 77. Ah, Sagittaire comme moi, j'ai... Quelques pluriels amis du 16 décembre. D'ailleurs, je vais leur faire un petit coucou ce soir. Je vais en profiter. Et quelle est votre question, Mona? Une question sentimentale. D'accord. Et il y a quelqu'un qui existe dans votre vie? Ah, ben, bon, j'ai quelqu'un dans la tête, mais bon. D'accord. Pas... Son prénom? Anthony. C'est ça que je voulais savoir. D'accord. Sa date de naissance? 16 octobre 84. 16 et 16, hein? 2-16. 16 oui. Octobre et 16 décembre, d'accord? Oui. D'accord. Et en fait, vous connaissez votre ascendant? Moi, je suis vierge. Ascendant vierge. Et lui? Je ne sais pas. D'accord. Sagittaire vierge et balance, c'est ça? Mm-hmm. Entre Mona et Anthony, n'est-ce pas? Oui. Et bien, on se concentre toutes les deux, d'accord? Mm-hmm. Mona. Anthony, Mona, Anthony et Mona, Anthony. Ah, quand l'amour nous tient, hein. Comment? N'est-ce pas? Quand l'amour nous tient, hein? Oui. Alors, voyons voir. Il est libre, lui? Bien, écoutez, je ne sais pas, parce que ça fait quelque temps qu'on ne se voit pas. D'accord, mais je veux dire, quand vous l'avez rencontré, vous l'avez connu, il était libre. Tout à fait, oui. D'accord. D'accord, je ne sais pas. Je me demande s'il est libre. Mais des fois, on peut être libre physiquement, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vivre avec quelqu'un pour ne pas l'être dans sa tête, dans son cœur surtout. Bien hein? Sûr. Alors, je vois chez lui un petit blocage à ce niveau-là. Ou alors, peut-être par rapport à son passé, les valises trop lourdes qu'il porte depuis trop longtemps, une difficulté de vivre avec quelqu'un. Oui. Mais c'est ça qui bloque un peu chez lui. Mais par contre, il est en train de guérir de ça, vous voyez? Il est en train de retrouver du bonheur, du plaisir. Vous voyez, il est en train de se guérir d'une ancienne histoire, à mon avis. D'accord? C'est ça que je verrai. Alors, donnez-moi trois numéros entre 1 et 26, entre Mona et Anthony. 3, 6,
5. D'accord. 6 et 5. Très bien. Alors, voyons voir. Vous voyez, il y a ce blocage. Il y a beaucoup d'amour quand même au milieu. C'est très chaleureux. Waouh, ça va s'arranger. Hein. Ça va. Si vous voulez, cette carte, cette lame, l'amoureux. Dans l'amoureux, c'est cette sensation de ne plus se sentir seul. Quand on est amoureux, en général, on ne se sent pas seul. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Eh bien, on a ça au centre, d'accord? Et puis, la tempérance, c'est vraiment une relation de guérison. C'est comme un ange qui fait circuler l'énergie. Vous voyez, s'il y avait de l'eau, ça tomberait. C'est des fluides. Vous voyez, c'est quelque chose qui circule. Et puis là, on a un désir irrésistible. Vous lui plaisez vraiment beaucoup. Mais je ne sais plus trop quoi penser puisque j'ai cru comprendre quand on s'est parlé qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Ben, c'est pas ce qui se voit là. Hein. C'est pas ce qui est réellement. Donnez-moi deux numéros. On va couvrir ça, mais c'est pas ce qui est non plus. 2 et 10. D'accord. Et l'as de cœur et l'as de denier. Non, je ne pense pas. Mais peut-être que c'est pour ça qu'on voit que, vous voyez, il y a le pendu au début. Donc, il faut laisser un peu le temps. D'accord. La situation, elle est bloquée. Alors, dans ce cas-là, moi, j'ai un conseil. C'est disparaître, ça, c'est sûr. D'accord ? On va disparaître, bien sûr. Mais, je ne sais pas si vous connaissez les techniques de visualisation positive. Non. Vous savez qu'on peut programmer des choses. Si je vous dis, dans tel jour, vous allez vous casser la cheville, il y a des grandes chances que vous m'obéissiez, d'accord ? On appelle ça de la programmation négative. Hein ? Donc, bien sûr, je ne vais pas vous dire un jour, parce que je ne vais pas vous faire m'obéir, c'est pas utile. Donc, si on peut programmer quelqu'un qui a peur d'être abandonné, quelqu'un qui a peur d'être volé, va créer cette peur, d'accord ? D'accord. La situation, on va pouvoir la créer. Par contre, on peut autant créer du positif. D'accord ? Donc, si vous imaginez qu'avec lui, cette relation, elle peut être, vous voyez, elle peut repartir, vous pouvez y avoir une belle histoire d'amour et tout ça, vous pouvez projeter, visualiser. Vous avez des techniques de visualisation positive. Si vous cherchez un peu sur Internet, vous allez trouver. Mm-hmm. Hein ? Je vous parle d'un secret. D'accord ? Une technique qui s'appelle le secret. Cherchez un peu, vous trouverez. Hein ? Et commencez à appliquer ça. Moi, je vois une histoire qui va se mettre en place. Pour l'instant, vous disparaissez, mais vous co-créez, vous visualisez. C'est comme si un petit génie sortait d'une bouteille et vous demandait « qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que tu veux ?» Donc, vous visualisez ce que vous voulez. Et vous verrez, ça va fonctionner. Donc, ça veut dire que ça va reprendre, c'est ça ? Cette relation, elle ne peut que reprendre. Il y a vraiment une sensation. Il a certainement un souci en ce moment pour vous avoir dit ça. Il est certainement en train de régler une vieille histoire. Il a certainement, vous voyez, quelque chose qui ne va pas. Donc, il a peut-être besoin d'un certain temps, d'un certain espace. Donc, il a voulu faire un peu le vide pour le temps de, vous voyez, se reprendre ou j'en sais rien. Mais moi, je ne vois pas une relation terminée. Ça, c'est sûr et certain. D'accord. D'accord, Mona ? Très bien. Mais écoutez, vous me tenez au courant quand vous voulez. Merci beaucoup. Hein ? Très bien. Merci de votre confiance et à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 22h37, on va faire une courte pause, comme tous nos amis, 3255 touche 2, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. De retour parmi vous, à nouveau ensemble, hein, 3255, donc tous deux pour avoir une consultation avec moi ce soir et demain. Bien sûr, l'amour, le cœur, hein, ça c'est une chose importante dans la vie. Mais bon, on peut également poser des questions sur le professionnel, sur la vente ou l'achat d'une maison, sur le financier. Toutes les questions qui vous taraudent, je suis là pour y répondre.
Est-ce que je vais prendre donc le prochain appel, bien sûr. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir votre prénom? Patrick. Eh bien, écoutez, on n'a pas eu beaucoup d'hommes ce soir. Hein. On a eu un Olivier tout à l'heure, bien sûr, mais voilà. Enchanté, Atlan. Enchanté, bien sûr, moi aussi, je suis très ravie. Est-ce que je peux avoir votre département? 35. D'accord, et puis, ben, c'est vers la Bretagne, ça, si je crois. Bien, il est Vilaine. Hein? Vous connaissez ma maman, Irène. Ah, génial, ça fait plaisir. Voilà. C'est super, je l'ai eu hier. Effectivement, oui. Mais écoutez, je suis contente, super. Écoutez, enchantée, ravie, ravie. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance, Patrick? Oui, 9 septembre 1981. D'ailleurs, je crois qu'hier, on a fait une question sur vous, non? Non, c'était sur le financier. Ah oui, pardon. Excusez-moi. Très bien. Alors, dites-moi, quelle est votre question, Patrick? Ça serait sur le financier aussi, comme j'ai fait des demandes d'aide financière et j'aurais voulu savoir si ça allait aboutir. D'accord. Concernant des demandes pour un appareil auditif, en fait. D'accord. D'accord, donc vous êtes vierge, bien sûr, du signe de la Vierge. Vous êtes beaucoup dans les doutes. Alors, vous voyez ce que j'étais en train de dire à la personne avant. On peut visualiser, co-créer avec la réalité, d'accord, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas, je ne dis pas ça bêtement. Je dis ça parce que je crois ça et que ça marche dans ma vie, ça marche dans la vie de plein de gens. Donc, j'en ai déjà parlé à votre maman, donc elle sait, elle sait où trouver, par exemple, ce secret, hein, on va dire ça comme ça. Donc, regardez, visualisez, mettez en place vos choses déjà. Hein. Associez-vous avec l'univers pour obtenir tout ce que vous voulez. OK? Oui. Vous voyez, j'ai le monde qui a sauté, là. Donc, c'est la réalisation. C'est vraiment tous mes désirs exaucés. D'accord? Alors, on se concentre, Patrick, et on demande si vous allez avoir des résultats positifs quant à vos demandes d'aide pour cet appareil auditif, bien sûr. Alors, on se concentre, Patrick. Écoutez, je n'ai pas de mauvaises choses. Hein. Moi, j'ai d'un côté le bah, que maman regarde, hein, si elle est à côté, en tout cas, ou si elle regarde la télé. Hein. On a le battleur, l'impératrice d'un côté. Et puis, à l'autre côté, on a la justice. Alors, trois numéros entre 1 et 26, Patrick. 6. Le 6. Le 9. D'accord. Et le 17. Très bien. Et 17. Eh bien sûr, le jugement. Écoutez, pour moi, je suis sûre que si vous travaillez avec cette technique, parce que dans le pendu au milieu, ce n'est pas un blocage spécialement, c'est de la visualisation. On disparaît et on visualise. Et on a fait ce qu'il fallait au niveau des demandes. Et après, sans téléphoner, sans agir, sans interagir, sans se précipiter, on peut tout à fait visualiser l'accord, la signature, le oui, vous voyez, tout ça. D'accord. Ici, j'ai le jugement. Ici, j'ai le monde. J'ai tout ce qu'il faut pour. Vous allez me donner juste deux numéros encore. 8 et 11. 6, 7, 8. 10 et 11. Oui. Hein, il y a une transformation. C'était compliqué pour vous jusqu'à présent, mais vous voyez, j'ai cette roue de fortune, j'ai ce monde. J'ai un dernier numéro. Le dernier numéro, le 12. Oui, visualiser, ça fonctionne. D'accord. Ça marche. Hein. Merci. Eh bien, écoutez, on se tient au courant. D'accord. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Vous me tenez au courant. Et je suis ravie de vous avoir rencontré. Un gros bisou à maman. Hein? D'accord. Merci. À bientôt. Au revoir. Comme Patrick, comme tous les autres consultants, 3255 touche 2. Je suis avec vous jusqu'à 1h10 ce matin, mais surtout là, dans cette émission confidentielle, jusqu'à 23h. Et puis pour nos amis belges qui sont bien discrets ce soir, 0900 88 et 126.
Je vais prendre notre prochain appel. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonsoir, bonjour. C'est qui est votre prénom? Dorothée. Dorothée. Votre département, Dorothée? 59. Ouais. Encore le Nord. Waouh, on a des supporters. Ah, chez les ch'timis. Alors, votre date de naissance, Dorothée? Le 19-09-76. D'accord. Une autre vierge. Quelle est votre question, Dorothée? Donc, en fait, moi, ça se passe très, très mal au travail. Faites quoi? D'ailleurs, je suis d'ailleurs en arrêt maladie par rapport à ça. Et j'ai fait une demande de congé individuel de formation. Et je voudrais savoir si ça va aboutir. C'est une bonne idée. Surtout vous, les vierges, vous êtes des gens qui aimaient étudier toute la vie. Hein. C'est important pour vous. Vous êtes des gens qui avaient tendance des fois à se minimiser, à se dévaloriser, à se remettre en question, à avancer d'un pas, deux, trois. Avec un mental qui est très, très actif, hein. Beaucoup de questions, beaucoup de mentalisation. Mais c'est très important pour vous la formation. Et puis surtout dans une période où ça se passe mal. Vous faites quoi comme travail? Je suis hôtesse de caisse. D'accord. Et vous voulez faire une formation de quoi? Je voudrais partir dans mes premiers amours au secrétariat. D'accord. Il n'y a aucun souci. Hein. Vous allez pouvoir l'avoir, cette formation. Je regarde. On se concentre. Ouais. Est-ce que donc Dorothée va avoir cette formation qui va fonctionner? Ça va marcher, cette formation. L'accord de cette formation. Voilà. Alors, voyons voir. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est dans votre région ou il faut bouger un peu? Non, dans la région. D'accord. En tout cas, pour moi, ça marche. On va vérifier ça, mais ça marche. J'ai un très beau tarot autour déjà. J'ai un ange qui protège, j'ai de l'énergie qui circule, il y a des cadeaux. Donnez-moi trois numéros entre 1 et 26. Alors le 1, oui. Le 9 et D'accord. le 19. 9 16 17 18 et 19. Alors, l'empereur, l'as de denier et le diable. Donnez-moi deux autres numéros, on va couvrir ça, mais oui, pour moi comme vous dites, vos premières amours, il y a longtemps que c'est quelque chose qui est autour de vous, hein. Oui. Et que vous sentiez à l'époque trop minimisé, trop dans des remises en question pour avoir pris ce chemin, n'est-ce pas? Vous vous sentiez, disons, pas capable à l'époque, on va dire. Oui, voilà, tout à fait, oui. Je dirais le 6 et le 7. 6, 7. Waouh, non, mais c'est sûr. Et puis, ça va vous plaire beaucoup, c'est ce que vous voulez depuis longtemps, c'est vos premiers amours. Tout va bien, mais vraiment, tout va bien. Donc, tout va être bon. Ah oui, vous allez faire cette formation, il n'y a pas de souci. Et puis en plus, comme qui dirait, au lieu de ne plus vous entendre et de vous détruire où vous êtes, vous prenez ce congé qui va vous permettre de pouvoir retourner justement à ces premières amours, ce que vous n'avez pas, l'autre vie que vous n'avez pas pu vivre encore. On va dire ça comme ça. J'en suis certaine. Changement de cap, changement de vie. Super, super. Bah, écoutez, je vous remercie. Vous me tenez au courant quand vous voulez. D'accord, c'est gentil. Merci. Je vous envoie plein d'amour et plein de lumière et je vous dis à bientôt et vraiment, hein, ça va marcher. Merci beaucoup. Au revoir. Vous aussi, vous pouvez poser votre question. 22h47, on va faire une courte pause pour nos amis belges. 0900 88 126 et puis pour tous les autres, 3255. Touche 2, Atlan Joy, 612 pour vous, jusqu'à 23h sur Confidentiel. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus,
Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, de retour avec vous, on est dans les derniers centimètres de Confidentiel, cette émission donc, qui se termine à 23h. Vous pouvez me retrouver bien sûr demain encore, avec joie. Et ben, écoutez, je vais prendre le prochain appel. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom ? Bonsoir, Antoine. Bonsoir. C'est Farah. Ah, génial, ben, c'est pareil, j'ai pensé à vous aujourd'hui, j'ai failli vous laisser un petit message. Comment ça se fait? Parce que j'étais à Paris, que voilà. Ça, je... Oh là là, j'ai ouvert la télé, je vous ai dit, il faut absolument que je l'ai. C'est marrant, c'est deux jours que je me dis, je vais la saluer aussi, puis vous voyez, j'ai pas le temps dans l'émission. Vous êtes en grande forme, je suis contente de vous voir comme ça. Eh ben merci. Et moi, je suis contente de vous entendre, Farah. Comme vous le savez, je vous aime beaucoup. Alors, moi Farah, aussi. Bien sûr, parisienne, banlieue, enfin, ceinture Paris, on va dire. Hein? Oui, bien sûr. Et votre date de naissance? Le 30 avril 58. Eh bien, voilà. Alors, c'est toujours l'affectif qui domine? Là, je ne me fais plus de soucis, vous m'en avez assez dit. Hein? Alors, quelle est la question? Toujours dans la patience. Hein? Toujours dans la patience. Quelle est la question? Alors, là, sinon, je vous en pose deux si vous insistez. Hein. Alors, on va faire deux. Je vous en offre une deuxième. Allez, on va partir sur deux questions. On va essayer de les traiter vite. Oh, mais... C'est gentil, tout plein. Quand alors, même. La première. Demain, à 11h30, oui. J'aurai rendez-vous pour un projet immobilier. Waouh, wow. Ouais. C'est beau, ça. D'accord. J'aimerais faire du financement immobilier. Donc, le monsieur m'a appelé aujourd'hui. Il viendra demain. D'accord. Alors, on regarde. J'aimerais voir, ouais. D'accord. Ça, c'est un beau projet, quand même. Hein? Oui, depuis toujours. Moi, comme j'ai dit, au moins, dans ce cas-là, on sait pourquoi on travaille, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, des doutes, bien sûr, mais un joli projet derrière. Alors, il faut déjà arrêter les doutes. Hein? Et travailler avec des techniques comme le secret. Hein? D'accord. Et ça va fonctionner, vous verrez, hein, c'est sûr. Donc, ça ne sera peut-être pas immédiat, mais il y a des chances que ça fonctionne. Trois numéros entre 1 et 26 sur le financier. Enfin, le projet D'accord. immobilier, bien sûr. Oui. Alors, le 4. D'accord. Le 15. Oui. Jusqu'au 21, c'est ça? Tous 26. 26. Bon, je prends le 21, s'il vous plaît. OK. Et voilà. Farah, est-ce que... Oui. Pour moi, ça va marcher. Hein. Bon, ici, je ne peux pas dire la date parce qu'on sait bien que le tarot, on ne voit pas les dates, mais dans l'astro, on le fera à l'occasion. Mais moi, j'ai l'as de bâton, j'ai vraiment une envie très forte et un contrat, là. Donnez-moi encore deux numéros. Il y a un nouveau, nouveau départ dans votre vie. Oui, d'accord. Donc, on donne le 2. D'accord. Et le 8. D'accord. Alors... Il y a des peurs, mais en fait, il y a une grande transformation intellectuelle. Il faut déjà le vouloir dans sa tête. Il faut déjà le visualiser, l'accueillir pour que ça fonctionne. Mais ça va marcher. On en parlera. D'accord? Oui. La deuxième question. Eh bien, la deuxième question, c'est toujours mon grand chéri, là. Normal. On s'en doute. Normal. C'est normal. Son prénom, déjà. Un R. D'accord. Alors, on va dire Monsieur R. Oui. C'est pas Monsieur X, c'est Monsieur R. On va dire Monsieur Ray Charles. Eh, voilà, Ray Charles. Oui. Il n'y a pas de souci. Je vous adore. Alors, on y va. Oui. Eh ben, il est là, hein. Il y a toujours un peu de blocage, hein, il y a toujours un petit blocage, c'est alternatif. Il revient, c'est bloqué, hein. Mais il est là, il est vraiment là, et il pense à vous, bien plus que vous le pensez. Trois numéros entre 1 et 26. D'accord, le 1. Oui. Le 5.
Parfait. Et le 13. Alors, on regarde le butler, le chariot. Waouh, le chariot et l'étoile, l'amant et l'amante. Attends, il n'y a pas de souci. Hein. Un redémarrage, ça revient. Hein. On se rapproche de jour en jour vers ce redémarrage. Il n'y a pas de souci. Il y a l'amoureux ici, il y a la relation. Non, c'est bon. Il y a la tempérance. On est en train de guérir cette histoire. Tout ce qui était un peu complexe se guérit. Non, non, ça va être très, très beau, Farah. D'accord. Alors, on reste, on garde le cap. D'accord ? Sur cette visualisation de tout ce qui est important pour vous, vous savez le faire, vous connaissez la technique. Oui. Hein, et les choses sont en train de s'incarner, de devenir. D'accord. Il n'y a pas de souci. J'ai été ravie de vous avoir, aussi. Vous revoir. Vraiment, ouais. C'est réciproque, Farah. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je fais des gros, gros bisous. Merci de votre confiance. On se tient au courant pour le projet immobilier aussi. Mais il y a du bonheur. Il y a vraiment du bonheur là qui vient. Vraiment. D'accord. Merci beaucoup. Je penserai très fort à vous demain pendant mon entretien. Génial. Je suis avec vous. C'est quelle heure, 11h? Je vous embrasse. À demain, 11h30. À demain, 11h30, en télépathie, on sera ensemble. À bientôt. Yes, madame. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. 22h54, la question répondeur, après le court jingle. Et on se retrouve à partir de... Avec Denise. Oui, je suis Denise. Je suis née le 4 1943. Et je voudrais savoir, je suis donc sur la région parisienne. Et je voudrais savoir quel est mon avenir avec Fernand, car je doute de ses sentiments. Donc, lui, il est né le 21 juillet 1939. Merci. Denise, mais écoutez, j'espère que vous êtes là pour écouter la réponse. Bon, je sais que c'est pas facile parce que quand on pose une question répondeur, on sait jamais quand elle va être tiré, hein. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous serez là et que vous allez en profiter. Maintenant, effectivement, vous pouvez nous retrouver toujours en replay, hein. Ça, c'est une chose possible aussi. Alors, Denise qui doute des sentiments de son chéri. Eh bien, on va regarder. Vous êtes Lion, il est peut-être Lion, hein, 21, c'est toujours le fin Cancer, début Lion, mais il y a bien certainement une Vénus, une planète en Lion. Alors, on va regarder ça. Entre Denise et son amoureux. C'est sûr que c'est un amoureux qui ne veut pas s'engager. Hein, on a le mat ici. Vous, c'est sûr que vous avez envie c'est souvent féminin, hein, d'avoir un homme dans votre vie, une relation. Vous avez cette envie-là. Il y a eu une rupture avant aussi qui était forte, hein, quelque chose d'un petit peu traumatique. Et puis là, effectivement, moi, j'ai l'impression que lui, il s'échappe un petit peu de cette histoire pour l'instant. Alors, je vais regarder un petit peu plus en détail pour Denise par rapport à son amoureux qui doute de ses sentiments. Alors, je vais tirer les cartes pour vous. En général, je demande des numéros pour ça, mais enfin, voilà. Là, avec les questions répondeurs, on fait tout le travail, mais bon, on accepte de le faire avec joie. Alors, on va regarder. Donc, vous êtes là en impératrice, il n'y a pas de souci. Au milieu, on a le soleil et la haute fortune. Moi, je pense qu'il faut le laisser partir pour l'instant. Il faut lui montrer que ce n'est pas un problème. Tu veux ta liberté, ben, mon chéri, tu la prends, il n'y a pas de souci, d'accord ? On est là. Et puis, moi, j'ai quand même l'impression, si vous lui laissez de l'indépendance, si vous le laissez partir, si vous n'insistez pas, si vous disparaissez, il y a une relation qui se met tranquillement en place. C'est sûr que pour l'instant, attraction-répulsion, vous voyez, mais pour moi, il y a une histoire à vivre de toute façon. Fin de la consulte, on est dans un timing. Denise, oui, c'est ça. Denise, voilà, je vous dis que voilà, c'est pas terminé, soyez confiante. Alors, le coup de cœur, ben, j'ai envie d'en donner deux, moi, du coup de cœur. J'ai envie d'en donner un
à Rosa, parce que voilà, je l'ai retrouvée, c'est vrai, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et puis à Farah, parce que j'avais toutes les deux dans la tête hier en prenant le train, et puis j'ai trouvé amusant de les retrouver ce soir. Voilà, mon coup de cœur à toutes les deux. De toute façon, je vous aime. Hein, merci de votre confiance à tous nos téléspectateurs. C'est un beau retour pour moi, je n'étais pas venue depuis longtemps et je suis vraiment ravie de tout cet amour, toute cette énergie qu'on échange sur cette chaîne, dans l'émission confidentielle. On se retrouve à partir de minuit et puis surtout on se retrouve encore demain. Voilà, bonne soirée à tous, merci, à tout de suite, à tout à l'heure. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé.